Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des people qui sont là? Désolée, j'étais encore un petit peu à la bourre, mais genre vite fait quand même. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Et pour ceux qui sont abonnés, vous avez la bonne nouvelle maintenant que on peut mettre enfin l'emoji allô. Voilà, ça c'est la grande nouveauté. Il fallait absolument que je vous le dise. Je le mets dans le chat. Voilà, c'est incroyable. Emoji, j'ai dit, putain. Les emotes! Oh, merci Margot Obed. Bienvenue, bienvenue. Bon, est-ce que vous allez bien, là, ceux qui sont en train d'arriver? Écoutez, je suis très très contente de reprendre le rythme, là, de... des lives et tout. Bon, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais... Franchement, ça m'éclate, ce petit truc. Allô? Pour une fois, je suis là. Oh, les goobèmes, j'avoue, bonsoir. Ça y est, t'as pas loupé. Mais bon, après, avant, j'étais pas là longtemps, en vrai, donc c'est normal. On peut pas... Je ne peux pas vous blâmer. C'est de ma faute. Je vous perds à chaque fois avec mes histoires. Bon, comment ça va, les goobèmes? Bon, du coup, j'imagine que vous m'entendez bien. Hein. Je pars du principe que tout marche bien. Les goobèmes, est-ce que tu peux, s'il te plaît, regarder les emotes? Juste, je dis ça, je dis rien. Quand même. Quand même! Quand même, il est là! Je suis trop contente, regarde, il a été validé par Twitch. Je suis refaite. Nous avons enfin nos emotes, les gars, c'est très très cool. Alors par contre, du coup, ils sont que, comme je vous disais, en mode pour les abonnés. Ouais, on t'entend nickel. Ok, parfait. Ça va et toi? Ça va, super. Au top. Je me réabonne, j'ai changé de carte bleue, c'est vrai! C'était un merveille, c'est vrai que c'est trop chiant. Moi, je pensais trop qu'on pouvait faire des emotes pour les gens qui n'étaient pas abonnés. Et genre, parce que j'expliquais ça la dernière fois. J'étais persuadée qu'on pouvait faire des emotes pour juste les personnes qui avaient... Enfin, qui follow la chaîne, tu vois. Et en fait, pour pouvoir faire ça, genre, c'est méga compliqué. Enfin, c'est méga long. En fait, il faut faire 60 streams. Voilà. Donc, autant se dire que 60 streams, c'est hyper long pour moi. Donc voilà, donc en fait normalement t'es quand même obligé d'être abonné pour pouvoir utiliser les emotes. Même si je pensais qu'on pouvait faire sans, ça aurait été trop bien mais bon. En vrai je suis déjà très très contente qu'on les ait, attendez je vais tous vous les mettre. En fait en gros il y en a qu'un du coup qu'on n'a pas. Mais après vous me dites si il y en a un que vous voulez changer. Genre si jamais celui-là vous voulez, je vous les mets tous. Tous ceux qu'on a. Salut Tozix, merci beaucoup pour le follow, trop sympa. Enfin, on fait des emotes ce soir, hein, franchement. Voilà, pour le moment c'est les 6 là. Donc on a Bagrid, le cœur, art, pas art, allo et moi. Et du coup, le dernier qu'on n'a pas, c'est un carré de texte où il y a écrit intéressant. Et du coup, voilà, je savais pas trop en fait, genre j'ai un peu hésité. Mais vu qu'on a déjà beaucoup de textes, tu vois, je savais pas trop. C'est quoi la diff entre art moderne et art contemporain? Des barres? Je sais pas du tout. Aucune idée. Moi j'aurais tendance à dire que l'art contemporain c'est les artistes vivants, mais après je dis ça, je dis rien. Trop drôle. Art contemporain, première école. Les artistes qui sont vivants. Deuxième école, les artistes, on va dire, après la guerre. Voilà, après la guerre, vers les années 50. Mais moi, j'aime pas parler d'art contemporain pour parler des artistes qui sont morts. Parce que du coup, on met tout le monde dans le même panier et c'est pas hyper intéressant, quoi. Enfin, après, ça fait... Il y a trop de... Merde. Il y a trop de... Ah! Bref, pardon, je suis perdue. Ça y est, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Bon, ce soir, vous avez vu, on a un méga thème trop cool. Je vous avais dit la semaine dernière, j'étais genre en mode, waouh, ouais, trop bien, je vais parler de ça et tout. Ce soir, normalement, on est censé parler de... Vous avez vu le titre de sorcellerie, d'identité et de réseaux sociaux. Et vous allez voir, les artistes dont on va parler ce soir, ils sont... Enfin, en fait, ce qui est trop bien, c'est... Je crois qu'on avait déjà... un peu parlé aussi la dernière fois, mais c'est comment les artistes utilisent les réseaux sociaux, mais pas dans le négatif. Oui, merci les goobèmes, c'est trop gentil. Bagrid en force.
Oh, comment je suis contente! C'est trop stylé, il est trop mime ce petit Hagrid. Oh, c'est trop cool. Merci, Ligoubem. Trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente, putain, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Mais vous vous souvenez quand c'était là, ce live des emotes? Ça a duré si longtemps ce truc en vrai. Suis trop contente. Waouh! Une étape est passée, je suis trop contente. Les autres sont top aussi. Oui, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et on a enfin le art et pas art, quoi. Et le petit cœur aussi. Oh, j'aime trop, je suis trop fan. Je suis trop fan en vrai. Je suis trop contente. Mais le Bagrid, c'est le plus beau. Le Bagrid, c'est clairement le plus beau. C'est mon préféré. Voilà. C'est dit. Je pense que c'est le préféré de tout le monde. Je pense. Mais ouais, c'est trop bien. Je suis trop trop contente. Et oui, du coup, oui, je vous disais, les artistes dont on va parler ce soir, ils parlent des réseaux sociaux, mais ils parlent des réseaux sociaux de manière positive. Pas en mode on critique les réseaux sociaux et on critique l'utilisation du digital et tout. C'est au contraire, c'est en fait, comment le digital prend la place dans nos vies et comment on l'accepte et comment on vit avec quoi, en gros. Hola, salut Doria, comment ça va? Merci d'être là ce soir, c'est trop cool. Merci à tous d'être là. Salut à tous ceux qui arrivent. Pas le mien en tout cas, c'est crédible. De quoi? Pas le tien quoi? Je sais pas, il y a peut-être un décalage, je suis désolée les gars. Pas le tien. J'ai déjà oublié ce que je disais. C'est chaud, non? Ouais. Je sais pas. Je suis perdue. Je suis déjà perdue, hein. Ça commence méga bien. Putain, il fait méga trop chaud. C'est horrible. S'il pleuvait et tout à l'heure, trop bien, mais oui. Ah, pas le mien. Pas le mien, pas le mien. Ton truc préféré, non? Putain, je suis perdue. Bref, voilà. Et du coup, c'est des artistes. Ce soir, les artistes de ce soir, c'est des artistes que j'ai vus à Biarritz il y a. C'était il y a combien de temps? Il y a 2-3 semaines? Ouais, tu disais une vérité absolue que Bagrid, c'est le meilleur emote au monde. Oui, c'est ça. Je peux pas utiliser les émoticônes. Ah, bah oui. Bah oui, Doria, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. En fait, enfin. Maintenant, tu peux faire des emotes pour les gens qui juste suivent ta chaîne, tu vois. Mais en fait, il faut genre faire 60 streams. Et du coup, bah, moi, j'en suis encore super loin de 60 streams, tu vois. Du coup, bah, enfin, c'est réservé aux abonnés comme habituellement sur Twitch. Voilà, ça bouge pas. Eh oui. C'est l'avantage de prendre l'abonnement. Tu pourras utiliser les petits emotes. Salut Madame Emlar, comment ça va? Elle est KO parce que elle a gambadé et elle a fait la fête à Lille tout le week-end. Alors, comment c'était Utopia? Je sais pas si je peux montrer. Est-ce que ça s'est bien passé? J'ai vu que vous étiez vachement nombreux en fait à y être allés à ce truc. C'était trop bien. Ok, trop cool. Ça avait l'air. Ça avait l'air, ça avait l'air. Attendez, je me décale un peu. Oui, j'ai vu plein de vidéos, de stories et tout. Genre, ouais, ça avait l'air hyper cool. Utopia. Donc, Utopia, c'est un festival d'art. Enfin, un festival, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je sais pas. C'est, ouais, un espèce de festival d'art contemporain qui se passe à Lille. Et en fait, c'est tous les ans, ils font un truc ou pas? Et là, le truc, ça s'appelait Utopia. Et en gros, du coup, t'as des expositions, genre, partout dans la ville, partout dans tous les musées de Lille, etc. Et du coup, voilà. Tous les 2 ans. Ok, on devait être 15, je pense. Putain, c'est énorme. Trop bien. Et vous avez fait combien de lieux d'art, du coup? Vous avez fait la forêt magique. Ça avait l'air sympa. Non, en vrai, franchement, ça avait l'air cool, hein. J'ai vu vos petites stories et tout, ça avait l'air vraiment cool. Oh, ça y est, Doria. Trop bien. Trop chou. Ça y est, on peut utiliser Bagrid, enfin. Mais quel bonheur, hein, vraiment, je vous jure, je suis trop contente. Il est incroyable, il est trop beau. Utopia, 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 Lille. Mais ça avait l'air super cool. Et à mon avis, il y avait de l'événementiel aussi, du style, il devait y avoir des concerts ou des espèces de spectacles et tout, non? Les Beaux-Arts, la gare Saint-Sauveur, le Tripostal, la Villa Cavrois. Vous avez fait plein de trucs. Énorme, parce que vous êtes resté tout le week-end, hein, c'est ça?
Une foule immense au rendez-vous de la parade de l'île 3000 Utopia. Trop bien. Ouais, c'était la soirée d'ouverture, quoi. Défilé hier, puis feu d'artifice et fête. Mais waouh! Mais attends, c'est un truc de ouf. C'est comme un peu le carnaval de Nice, genre, non? Bon, rien à voir, mais... Ou non, c'est comme... si, je sais, c'est comme la nuit blanche. C'est comme la nuit blanche à Paris, c'est ça? Ah, franchement, ça avait l'air cool. Attendez, j'essaye de vous montrer. Putain, mon... Ne regardez pas... Ne regardez surtout pas mon bureau. C'est une catastrophe. Ce matin, on a fait l'hospice de la comtesse. Ok. Je savais pas qu'il y avait autant de trucs. C'est énorme! C'était ça, là? Trop stylé. Et c'est des chars avec des trucs artistiques, quoi. Ah, ça y est, Doria. Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'était ouf, j'ai un peu partagé en story. Mais ouais, j'ai vu. Trop bien. Trop, trop cool. Mais pas façon nuit blanche, quand même. Ok. J'ai l'impression que dans le délire, c'est un peu ça. Mais sauf que là, ça va durer combien de temps? Ça dure longtemps, la nuit blanche. Ça dure qu'une nuit, hein. Ça avait l'air stylé. Écoute, trop bien. Trop, trop bien. Écoutez, bah, j'ai loupé ça. J'ai loupé ça pour... Parce que je suis une amie fidèle et du coup j'avais un anniversaire ce week-end, du coup j'ai annulé, enfin j'ai dit que je pouvais pas aller à Lille parce que j'avais voilà, un anniversaire. Mais un peu dégoûtée parce que je pense que c'était un truc super sympa et je vais faire du contenu bientôt mais c'était trop chouette. 19 km de marche hier, arrête putain. Mais alors là vous allez avoir la dose de contenu là. Hein. C'est sûr. Ce défilé, c'était pour Utopia. Ouais. Plein de gens de Lille avaient posté ça MDR. Eh ben ouais, voilà. Le coup d'envoi de la nouvelle édition de Lille 3000 sur le thème Utopia. Moment phare de lancement de toute nouvelle saison de Lille 3000. La grande parade a attiré de nombreux spectateurs jusqu'à la nuit tombée. Et vous avez fait la fiesta, genre. Genre, vous avez fait soirée et tout. Non, mais trop cool. Écoute, trop bien. Je vais... On regardera ton contenu, Madame Emlar. On verra. Je te lâche mon prime, la prochaine fois t'achètes un gâteau pour son anniv. Bah pas du tout. Tozix, il y a une participation déjà. Hein. Donc non, pas de gâteau. Putain, c'est vrai qu'il y a même pas eu de gâteau, pourquoi? On est rentré dans la night, ok. Trop cool. Bon bah trop bien. Après Lille, en vrai Lille-Paris ça se fait bien. Je pourrais peut-être y aller. Je sais pas jusqu'à quand ça dure. Pas beaucoup dormi, beaucoup marché, et on a pris plein les yeux. Ok, bah putain, ça avait l'air vraiment ouf. Oh, il y a un train de la hype, genre. Mais merci Tozix pour le prime, hein, c'est trop sympa. Grave gentil. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je suis honorée. Jusqu'en octobre. Ah putain, large. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et la forêt magique, là, ça, putain, j'ai jamais... Je répéterai à Clara que t'es deck d'avoir raté Lille pour son anniversaire. Mais je lui ai dit déjà, je lui ai dit Clara, pour ton anniversaire, je loupe Utopia et je loupe la nuit des musées. Parce que c'était la nuit des musées hier du coup. Du coup ça tombait un peu mal. Bon live anyway. Merci Tozix, trop gentil. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Trop sympa. Mais oui, c'était la nuit des musées aussi hier. Et il y avait plein de trucs à faire et pareil, j'aurais bien aimé la faire mais bon. L'amitié avant tout les gars. C'est normal. Et puis ça va, c'est pas grave. C'est pas comme si je voyais pas de l'art un peu tous les jours. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que la plupart des influenceurs du coup qui étaient au voyage Lille 3000, toi, t'y étais pas, Doria, du coup. La plupart des influenceurs qui étaient à Lille 3000, du coup, n'ont pas fait la nuit des musées. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a parlé de la nuit des musées sur les réseaux sociaux. Je te mets en live. Oui, sur la télé, c'est vrai, trop bien. Oui, oui, t'inquiète, je suis désolée pour toi que t'aies le décalage, Madame Emlar, je sais que c'est chiant. Non, j'y étais pas. Et est-ce que Doria t'a fait la nuit des musées, du coup? Est-ce qu'il y en a qui ont fait la nuit des musées, là? J'aurais bien aimé la faire, mais genre, je sais pas, aller à un endroit où j'ai genre jamais l'habitude d'aller. Ça aurait été trop la belle occasion. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pareil, c'est pas comme si... Natas, oui. Oui, quoi? Oui, non. J'ai raté la nuit des musées, je suis deg. C'est vrai, mais... Oui, ben, c'était hier.
C'était hier. J'ai fait le Centre Pompidou, il y avait un concert de ouf. Ah, trop bien. Alors, autant t'avais des musées qui ont vraiment rien fait. Enfin, genre, juste, en gros, ils ouvraient leurs portes gratuitement pendant la nuit. Mais pendant la nuit, genre, jusqu'à 23h, tu vois. Autant, il y a des musées qui avaient fait pas mal d'événementiels, ouais. Et en vrai, c'est cool. C'est cool. Mais il y a Bagrid, mais oui, écoute. Au moins, il y a Bagrid. Il y a au moins une bonne nouvelle, là, dans cette histoire. On a Bagrid. Franchement. Bagrid. Et le petit cœur, il est trop mimes aussi. Enfin, il est pas mimes, mais... Tu sais que j'ai eu vraiment méga peur. Je me suis dit, mais attends, mais si, genre, Bagrid, il passe pas. J'aurais été dégoûtée. La bourse de commerce, que dalle. Ouais, bah oui, la bourse de commerce, que dalle. Même Louis Vuitton, ils ont pas fait un truc en particulier. Après, Louis Vuitton, c'est différent. Ils font des nocturnes et tout, donc... Et peut-être pas trop... Enfin, je sais pas trop. Et j'ai pas trop regardé les autres trucs, je t'avoue. Vu que je savais que je serais... Enfin, que j'allais pas être à Paris pour la nuit des musées, j'ai pas regardé les trucs qu'il y avait à faire. Je crois qu'il y avait un truc pas mal au truc de la Porte Dorée, là. Aussi. Mais bon. Bref. Voilà. Tout ça, quoi. Ce serait les brûler Twitch, et bah, Grid passait pas. Non, mais de ouf, moi aussi. Mais en fait, j'ai un peu flippé parce que, genre... J'ai pas du tout pensé, en fait, qu'il pouvait y avoir un contrôle, quoi. Enfin, en fait, ça, oui, c'est évident, tu vois. Mais moi, j'y ai pas pensé au moment où j'ai téléchargé mes emotes. Et après, j'étais là, genre, oula. En fait, il y a, genre, la quasi-totalité des emotes qui sont en mode de... En contrôle par Twitch, tu vois. Et j'étais là, genre, mais non. Imagine, il me dit que ça passe pas, je fais comment? Ça m'aurait saoulé. Oui, Doria, t'as vu, ils sont beaux en vrai. Franchement, ça va, ils sont cool. Je suis trop contente, c'est trop bien. Et du coup, oui, celui qu'on n'a pas, c'est le intéressant. Intéressant, il n'est pas encore. Oh, femme artiste, trop cool. Trop chou, ça va? Gros step berlinoise dans le hall du Centre Pompidou. Putain, mais énorme, c'est ce qu'elle disait, Doria aussi. Tu l'as fait, toi, femme artiste, la nuit des musées? Enfin, du coup, t'es allée à Pompidou aussi? Trop bien. Putain, mais trop cool, ça avait l'air trop bien. Ils se sont donnés. Pompidou, ils sont cool en ce moment, en vrai. Ils ont des belles programmations et tout. Trop bien. Ouais, j'ai un peu dégoûté d'avoir loupé, mais bon, c'est pas grave, en vrai. Mon anniversaire était très très cool, donc bon. Ça passe. Bon, du coup, ce soir... Alors, donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ce soir, je voulais vous montrer le travail de 3 artistes que j'ai vu à Biarritz il y a 2-3 semaines. Et du coup, ces 3 artistes qui... Alors, les 3 sujets que je vous ai mis, genre identité, sorcellerie, réseaux sociaux, les 3 artistes tournent autour de ces questions-là. Alors, tous ne parlent pas forcément de sorcellerie. Tous, quand même, moi, je trouve, parlent d'identité quand même. Tous parlent de réseaux sociaux. Donc, voilà, je trouvais ça trop cool. Non, j'étais au musée Camille Claudel hier dans la journée et après j'étais KO. Ah, tu m'étonnes. Ce n'est que partir, mais c'est ton anniversaire. Non, c'était pas mon anniversaire. J'avais un anniversaire ce week-end et c'est pour ça que je pouvais pas aller à Lille et que je pouvais pas aller faire la nuit des musées. Je disais mon anniversaire dans le sens ma soirée, enfin la soirée que j'ai faite ce week-end-là. C'est tout. Mais c'est pas encore mon anniversaire, c'est bientôt en vrai, mais c'est pas maintenant. T'aurais été au courant, femme artiste, évidemment. Évidemment. Et du coup, voilà. Et du coup, je voulais juste qu'on... En vrai, ce soir, le but, c'est pas de faire une philosophie de l'art et tout, tu vois. Mais c'était plus qu'on regarde, parce que vous allez voir, c'est très, très visuel. C'est très... C'est des œuvres et tout qui sont super agréables à regarder. Et du coup, voilà, je m'étais dit que c'était cool que je vous parle un peu de ces artistes et qu'on prenne le temps de regarder vraiment ce qu'elles font. J'ai eu peur, j'espère qu'on fêtera ça ensemble. Bah, bien sûr. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je commence à m'organiser, là, pour mon anniversaire. Parce que ça tombe un lundi, en plus. Quelle idée d'un anniversaire un lundi, c'est chiant. Alors, je fais toute la semaine. Je sais pas, je verrai. Art ou par? Exactement, vous allez pouvoir utiliser les emotes art et pas art. C'est trop bien. Vous allez pouvoir juger. Alors, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte de cette exposition que je suis allée voir.
comme ça vous comprenez un peu et je vous invite à suivre ces comptes et toutes ces personnes là évidemment si vous voulez avoir leur actu et continuer de voir ce qu'elles font parce que c'est quand même très très cool. Alors en gros j'ai été invitée par le lieu qui s'appelle Encore, qui est un espace d'art à Biarritz. Je vous montre tout de suite le compte Instagram. Voilà, comme ça on resitue un peu. Donc en gros, Encore c'est un espace d'art à Biarritz, donc d'art contemporain, qui met vraiment en avant la scène, la jeune scène contemporaine. Et du coup, il y a des cycles d'exposition qui se font. Et à chaque fois, c'est une commissaire ou un commissaire d'exposition qui est invité pour créer l'exposition qui sera exposée sur le lieu, en gros. Donc là, la prochaine expo, c'est le 27, 28, 29 mai. Donc on est bien là-dedans. Feur. Pourquoi ? Qui a dit quoi ? Qui a dit quoi ? Toute la semaine, ton anime comme ça, tu passes à Lyon mercredi. Vas-y, ça marche. Ça marche, Ligoubem, on fait ça. Ça me va. Et après, on fait double anniversaire comme ça. Trop bien. Viens, on fait un tour de France, non ? Et bref, alors du coup, moi quand j'y suis allée, c'était la commissaire, c'était Maïlys Doucet. Et en fait, la personne qui tient le lieu, c'est une artiste qui s'appelle Margot. Et elle a pas mis... Si, voilà, c'est elle. C'est elle qui fait ces œuvres-là. Margot Henri Thiolan. Salut Maison Solitude ! Ça fait longtemps, non ? Enfin, ça fait longtemps. C'est moi que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, c'est pour ça. Ne pensez pas que je vous agresse. Ou pas. Et du coup voilà, en fait c'est Margot qui tient le lieu parce que c'est là aussi où elle a son atelier. Et donc c'est Margot qui m'a invité. Et Margot, je connaissais son travail depuis longtemps, depuis genre le premier confinement et tout, mais je l'avais jamais rencontré en vrai et j'avais vu ses œuvres digitales en vrai parce qu'elle avait été exposée dans une galerie à Paris. Mais j'avais jamais vu ses œuvres peintures comme ça en vrai. Donc c'était très très cool. Et donc voilà, moi quand j'y suis allée, voilà, le vernissage c'était le 22 avril et l'exposition s'appelait Beta 13. Du coup voilà, comme ça vous remettez un petit peu dans le contexte. Ça fait longtemps, oui, je passe en coup de vent jusqu'à je sais pas quand. Pas de sous, mais c'est déjà super sympa d'être passé. Ça me fait plaisir de vous voir les gars. Voilà, et du coup, donc l'exposition s'appelait Beta 13. Alors, si j'ai bien compris, ça fait référence à plusieurs choses. Ça fait référence à BA-13, qui est un matériau, un matériel de construction un peu bas de gamme. Je crois que c'est bien ça. Le bêta, un peu pour l'aspect... la version zéro de quelque chose, le commencement de quelque chose, le premier essai de quelque chose. Et 13... Je crois que 13, c'est la référence aux 13 cycles menstruels, parce que c'était une exposition 90% féminine, et elle voulait mettre ça aussi en avant. Voilà, voilà, voilà. Et donc, dans cette exposition, il y avait 6 artistes, et 5 artistes exposés, et une performance. Et là, ce soir, du coup, je vous présente 3 artistes de l'exposition, Donc toute l'expo tournait quand même autour du thème un peu des réseaux sociaux et de ce nouveau monde qu'on crée quoi après le Covid avec les réseaux sociaux et notre vision qu'on a un peu de ce nouveau monde qui est entre digital et entre ésotérisme. En gros, c'était un peu ça le sujet de l'expo. Du coup, c'était super intéressant et moi, je vais vous parler du coup de 3 artistes. Ça y est, Madame Emelard et Maison Solitude se retrouvent. Franchement, je suis si heureuse de vous créer un nouvel endroit parmi ceux que vous avez déjà, où vous vous retrouvez. Voilà, je suis contente de participer à chaque fois, les dimanches soirs, à vos petites retrouvailles dans mon chat. Ça me fait très plaisir. Alors, la première artiste, et vous allez voir, là c'est pareil, je voulais surtout qu'on regarde parce qu'il y a des visuels qui sont genre super intéressants. Le petit rendez-vous, exactement. Alors, la première artiste, c'est Naya. Et du coup, ce qui était trop bien, c'est que quand j'étais invitée, j'ai pu rencontrer
J'ai pu rencontrer toutes les artistes et tout, et c'était trop trop chouette de passer du temps ensemble et qu'on... Tu vois, il y avait vraiment un lien, enfin c'était trop chouette, vraiment trop chouette. On fait pareil chez Davy Mourier, t'inquiète. Bah, c'est quoi, c'est un autre streamer, c'est ça? Vous êtes pas pareil chez Poulpe aussi, non? Mais on t'écoute, on est sûr. Mais oui, je vois ça, c'est ça qui est mignon. Vous faites les choses bien. Hop, Naya, voilà, il faut absolument aller voir son site. Je vous mets son site qui est trop trop cool dans le chat. Vous allez voir. Donc, trop trop stylé. Naya, on peut lire le petit texte si vous voulez pour que. Regardez, en plus, il est trop stylé son site. Elle est trop mime. C'est. Enfin, l'univers, il est trop chouette. Naya Combari. Donc, Naya Combari est une réalisatrice une réalisatrice et une artiste pluridisciplinaire. Diplômée des arts déco de Paris. Son travail consiste à faire de la magie à travers différents médiums. Elle explore des notions comme le rituel, la spiritualité, le rapport au temps et aux éléments. Donc, d'où le côté un peu... parler de sorcellerie et de sorcière et tout, mais vous comprenez bien que c'était plus large. Dans sa recherche, le monde réel et le monde virtuel s'entrechoquent et s'entremêlent pour délivrer la vision d'un féminisme magique et psychédélique en lien avec la nature, les éléments et les émotions d'un naturel artificiel. Donc c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je vous disais dans cette idée de le monde aujourd'hui dans lequel on vit, le digital et le spirituel en gros, enfin moi c'est comme ça que je comprends, ont la même place et comment les deux peuvent coexister en fait. Parce que encore une fois, je redis, mais ce qui est trop bien avec ces artistes-là, c'est que elles vont nous parler vraiment beaucoup des réseaux sociaux et elles ont une utilisation assez importante des réseaux sociaux. Mais elles sont pas du tout en mode ouais, les réseaux sociaux c'est méga nocif ou je critique ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. Il y a vraiment ce truc de dire bah en fait non, on assume complètement qu'on vit avec, qu'on est accro, mais aussi que ça nous est hyper utile pour plein de trucs, etc. etc. Donc il n'y a pas de rapport négatif ou trop critique vis-à-vis des réseaux, c'est juste vraiment de se dire comment on fait pour mélanger ce digital et le spirituel et montrer que les deux ne sont pas incompatibles et que du coup ça crée en fait un nouvel univers et un peu un nouveau monde. Et pourtant c'est deux trucs qui sont tellement opposés. Oui, Bonnie Banane et Timothée Jolie, tout. Mais oui, alors Naya, et vous allez voir, parce que du coup, moi je trouve qu'il y a une grosse différence. Donc en fait, elle a un travail plastique où elle fait un peu des installs, des objets d'art et tout. Et elle a un travail photographique. Et vous allez voir où elle a dirigé des petits films ou des clips de musique, où elle a aussi toute une série de photos. Et moi je trouve que les deux n'ont rien à voir. Enfin que. Il y a un uni enfin, l'univers est assez commun, mais je sais pas comment dire. C'est hyper intéressant. Limite, on dirait que c'est presque deux artistes différentes, vous allez voir. Donc voilà pour Naya. Elle est trop cool. Je vous invite vraiment à la suivre. Et moi, j'aime beaucoup son travail. Et je vais vous montrer. Oh. Home. Donc, je vais vous montrer d'abord les projets qu'elle réalise, tout ce qui est un peu installation et objet. Alors, il y a la notion de la clé aussi qui est toujours très présente. La clé, parce que je crois que c'est lié un peu à tout ce qui est communication, à ouvrir la porte et à du coup ouvrir la porte de ses émotions et à se libérer de ses émotions, etc., etc. Donc le symbole de la clé, il est très présent et il est lié à la notion des émotions qu'on libère, qu'on laisse échapper. On voyait un... Ah ça, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Celle-ci, je l'ai vue quand j'étais à Biarritz. La vache, il y a de l'orage. Très très beau ça. Ça, j'aime énormément. Enfin, l'univers est vraiment cool. Ça, c'était très chouette aussi. Vous voyez, hein, c'est très mystique, il y a vraiment tout ce côté un peu sorcellerie et tout aussi, mais sorcellerie positive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est joli aussi. Franchement, c'était très chouette. Mais vous allez voir la différence avec son travail photographique, que moi, j'adore énormément aussi. Très sympa, ça.
Et ça, c'est l'exposition qu'elle a fait dans le lieu Voiture 14 à Marseille. Je sais pas si peut-être vous connaissez. Vous voyez, on retrouve encore la clé, etc., etc. Là aussi, la clé, le cœur. J'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà, le travail plastique de Naya, c'est celui-ci. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Les photos. Enfin, il y a vraiment une esthétique cool, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mal quoi. Donc voilà son univers d'installation, on va dire. Et après, je vais vous montrer. Ah oui, super. Je vais vous montrer le travail photographique. Et moi, là, je suis encore plus fan. Vous allez me dire. Alors attendez, déjà, est-ce que vous pouvez prendre la parole et vous avez le droit de dire Aroupar. Ça donne envie de relire Mona Chollet. Pourquoi? J'ai pas la ref femme artiste. I don't have the référence. Donne-nous la référence, s'il vous plaît. Oui, vous allez voir, son travail de photographie est trop, trop, trop stylé. De ouf. Et là, merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et vous allez me dire après ce que vous préférez. Peut-être si vous avez une préférence dans son travail photographique ou son travail d'installation. Donc déjà, on voit un peu l'univers. Vous allez voir, pour moi, mes deux séries préférées, c'est les deux là. Dream Team, elle est trop, trop cool. Voilà, c'est bon. C'est tout pour moi, genre ça suffit à ce que je trouve ça hyper cool. En fait, il y a un petit côté... Vous allez voir, après on le voit un peu mieux. Il y a un petit côté, on reprend un peu les grandes peintures, tu vois, historiques. Et c'est un peu les versions 2.0 des tableaux anciens, quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Ça fait très tableau de la Renaissance, tu vois, les postures et tout. Mais c'est vraiment appliqué à notre quotidien. Puis là, il y a une vibe, alors en plus... MDR, parce que moi, l'anniversaire auquel j'étais ce week-end, le thème, c'était les années 90. Du coup, je vois ça et je suis là genre, waouh, incroyable, on est à fond dedans. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, un des meilleurs livres féministes de ces dernières années. Ok, trop stylé. Où elle parle de la figure de la sorcière sous un prisme féministe et comme critique du patriarcat. Trop bien. Ah oui, d'accord, donc là, on est complètement dans le thème. Oui, ça fait très Stranger Things, j'avoue. Je le prêterai grâce, mais de fou, surtout si c'est un livre important et tout, avec plaisir. Puis c'est des sujets quand même qui intéressent de plus en plus. Du coup, voilà, bon là, ce n'est qu'un exemple, mais nous pouvons évidemment continuer. Voilà, j'aime beaucoup, genre vraiment c'est... Après, je pense que ça vous étonne pas que j'aime beaucoup, mais... Voilà, je suis très... Voilà, celle-ci, je l'adore aussi. Je suis très fan de tout ce genre de trucs. Ton dernier livre, Inventer l'amour, est très bien aussi. Ok. Très important, tout le monde doit le lire, c'est très large. Ok. Vous avez compris, vous devez tous lire Mona Chollet maintenant. On fera une interrogation dans un mois, ok? On fera un quiz Mona Chollet dans un mois. Est-ce que je vais lire un livre dans un mois? Franchement, c'est moins sûr. Voilà, ça c'est la première série du coup que je voulais vous montrer que je trouve très très chouette. Ça me fait tellement penser un peu aux photos qu'on prenait, non? Vous preniez pas des photos comme ça avec vos potes, genre quand on était au lycée ou je sais pas, des trucs comme ça. Des trucs avec le cœur que je n'arrive pas à faire. Pas encore lu mais je pense l'acheter prochainement. Trop bien, hein, trop cool. Voilà, donc vous voyez quand même que le travail photographique de Naya, il est quand même super... différent, enfin super, non, je peux pas dire qu'il est super différent dans le sens où on reconnaît pas parce qu'on comprend que l'univers il est là, mais il y a un œil, enfin je sais pas comment dire, enfin moi je suis genre méga touchée par son travail photographique. Notez, ça me changera de choupi pour mon neveu. Non mais énorme. Bah tu lui liras Mona Chollet, je pense qu'il va être super content. Ensuite, la deuxième série que j'ai adorée, c'est ma préférée de chez préférée. C'est celle-ci.
Et là, je suis méga fan. Méga, méga fan. Voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a... je sais pas, il y a quelque chose qui est canon. Tu vois, il y a tout qui est bien. Ah oui, c'est Tupac, ouais, je peux comprendre. C'est accepté. Regardez, j'aime trop, qu'est-ce que c'est beau, non? Vous trouvez pas que c'est super beau? Je sais pas, moi je suis genre trop touchée. Mais encore, hein, la présence des réseaux et tout. Il y a ce truc très angélique et tout. Moi, j'adore. Ah, trop bien. J'aime trop. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Je sais pas si elle a sorti un livre avec... avec où elle a tiré ces photos-là. C'est chouette, hein? Voilà, je suis très fan. Je suis très très fan. Mais celle-là, j'aime bien. Et ma préférée de tous, c'est celui-là. Parce que pareil, lui, il fait tellement tableau de la Renaissance, mais en version contemporaine. Alors ça fait penser à, presque un peu à David... David Lachapelle, hein. Mais là, il y a une vibe déjà teenage qui est un peu plus présente, tu vois. Il y a le côté 90s et tout. Ouais, je sais pas, celui-là, c'est clairement de loin mon préf de chez préf. Et je suis genre trop fan. Genre vraiment, je l'aime trop celui-là. Ouais, moi aussi, mais en solitude. Moi aussi, j'adore quand les artistes réinterprètent ou recollent l'univers classique dans le contemporain. Ouais, les t-shirts Yamaha, de ouf. Non, mais il y a beaucoup d'esthétique très sympa. Puis vous voyez, il y a de la petite retouche photo. Enfin, il y a un petit univers qui est très chouette. Voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Après, là, vous voyez, elle a marqué pour qui elle a taffé et tout. Là, j'aime bien. C'est pas mal, hein? Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Putain, celui-là, il est grave cool aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du coup, quand je disais que son travail photographique était pas mal différent que son travail plastique dans la création d'objets. Ça me fait penser à des artistes femmes surréalistes genre Leonora Carrington et Dorothea Tanning. Ah ouais, je connais pas du tout. Bon, après, je vous laisserai fouiner tout son travail. Son family documentary, il est très chouette aussi. Elle a photographié son entourage. C'est pas mal, hein. Franchement, je trouve que c'est très très quali quand même. J'aime bien celui-là aussi. Ce serait trop cool qu'elle fasse un livre photo. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est quali, je trouve. J'adore celui-là aussi. Bref, voilà, je vous invite vraiment à aller mater son travail et à la suivre et tout, parce que c'est trop trop bien. Je sais pas si tu connais Kajika, elle a récemment fait une peinture reprenant la perf. Ah non. Attendez, je vais regarder vos refs, là. Alors attends, Leonora Carrington. Ah ouais, ça? Ah, j'adore, ah ouais. J'avoue. Ok, je connaissais pas du tout. Femme artiste a toujours les très très bonnes refs. Trop bien. C'est marrant cette période quand même là du surréalisme, hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté surréaliste chez Naya aussi. Et fais voir l'autre, Dorothea. J'ai perdu Tanning. Ah ouais, ça ressemble aussi.
Alors franchement, je comprends totalement la vibe, je comprends totalement les refs aussi. Trop bien. Trop bien. Et Gajika. Gajika. Comme ça. C'est elle. Et attends, il faut que je mette quoi? Ah, sur Insta. C'est laquelle? Non, pas du tout, Clara. On n'y est pas. Je vois pas. Je vois pas. Merci. Merci beaucoup. Ah, il y a deux A. Voyons voir. Gaji. Ah, celle-là. Mais ça m'angoisse, ce truc, moi. Et elle l'a refait en mode performance ou c'était juste la photo? Ah, il y a ça aussi. La deuxième, la peinture. Ah, trop stylé. Ok. Mais je connaissais pas du tout cet artiste. Ça ne me dit rien. Ça a l'air cool aussi, ça. Ah, mon rouge. Putain, ça fait longtemps. Ah oui. Madame Emelin. Peut-être que Madame Emelin réagit encore aux installations de Naya. Avec son décalage. Non, je rigole. Ok. Ok, ok. Bah, trop cool, les gars. Merci beaucoup pour vos petits refs. C'est bien. C'est bien, on apprend tous les jours. 1000 ans après. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'elle est peut-être en train de réagir. Elle est peut-être encore sur l'île, Madame Emelin. Je sais pas. Voilà, du coup, ça, c'est le travail de Naya que je voulais vraiment vous montrer et que j'aime énormément et que je vous invite à suivre, évidemment, sur Insta et à suivre son actu et à voir ses œuvres en vrai aussi qui sont vraiment très, très chouettes. Donc ça, c'est Naya. Et alors, attention, la deuxième artiste, du coup, attendez, je vais retourner sur encore, c'est Andrea. Et on va se mater un film parce que l'œuvre qui est exposée était un... C'est elle. C'était une œuvre d'art digital. Andrea Le Guélec. Et je vous invite, pareil, à suivre son travail parce que je pense qu'il y a quelque chose de super méga intéressant. Et c'est la première fois, donc là vous allez voir le film, on va essayer de le mater. Attendez, parce que je pense qu'elle doit avoir un site internet. Oui, voilà. L'œuvre s'appelle Covid David. Et vraiment, je crois que c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué de toute l'exposition. Ou genre vraiment tout le week-end. Vraiment, je vous jure. Une Bretonne. Alors, elle habite à Reims, apparemment. Est-ce que c'est la Bretagne, Reims? Ne me demandez pas. Et oui, je vous disais, c'est vraiment... Enfin, j'ai fait l'expo... Enfin, je suis arrivée pour le vernissage et je suis restée tout le week-end. Donc, je revenais régulièrement voir l'expo pour prendre des photos, pour voir les artistes, assister à la performance et tout. Et à chaque fois, c'est l'œuvre où il fallait que... Je sais pas comment expliquer, mais c'était un peu ma petite dose. Genre, je savais que j'étais genre trop surexcitée de revoir l'œuvre et de me remater l'œuvre encore et encore. Et en plus, c'est trop bien parce que c'était vraiment... une salle tout dans le noir et tout, et un peu isolée. Et des fois, j'étais toute seule dedans et il y avait un truc... Enfin, je sais pas, je sais pas comment vous dire, mais cette œuvre m'a juste trop marquée. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça très très cool et on va la regarder. Oui, Reims et Champagne, c'est exactement ce qu'elle nous expliquait. Voilà, moi, je savais pas. J'ai appris plein de trucs pendant ce week-end, les gars. J'ai appris autant de trucs sur l'art que sur le champagne et sur les spécialités de toutes les régions de la France. Est-ce que vous voulez qu'on se lise? Je vais vous lire le petit texte avant si vous voulez, comme ça vous allez capter la vidéo et on se mate cette vidéo et je suis tellement contente de pouvoir la revoir ce soir avec vous. Limite elle m'a manqué, c'est bizarre quand même le rapport qu'on peut avoir avec des œuvres parfois, vous trouvez pas? Genre vraiment cette œuvre, à chaque fois que je revenais sur le lieu d'expo, c'était
Il fallait que je passe par la case de Covid David, tu vois. Je me dis, c'est ouf. Alors, vous allez voir. Dans un paysage stéréotype d'île déserte, un protagoniste inexpressif erre dans une métaphore de confinement. Covid David questionne l'être ensemble dans l'espace virtuel à l'heure où la pandémie redessine le tissu social. Il tente de représenter une représentation semi-fictionnelle de la crise dans laquelle l'expérience de l'autre s'est vue repliée sur les réseaux sociaux. Dans ce collectif digitalisé, les identités se multiplient et il devient parfois impossible de distinguer le vrai du faux. L'esthétique du jeu vidéo nous plonge alors dans une extension du monde, interrogeant la possibilité de s'accorder sur une perception commune du réel. Donc en gros, pour faire un petit résumé, si vous voulez, avec cette vidéo, c'était une manière un peu de réinterroger le rapport qu'on pouvait avoir aux autres en période de crise, et notamment en période de crise sanitaire comme celle-ci. Et en soi, ça pourrait être un autre type de crise. C'est des crises qui te poussent à ne pas pouvoir sortir de chez toi et ne plus avoir de vie sociable humaine. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, dans ces périodes de crise, comment on recrée une société basée sur du digital et basée sur du réseau social. Et c'est toujours cette ambiguïté un peu du vrai-faux, de la superficialité de ces réseaux. On essaye toujours de recréer des mondes qui sont tellement réalistes par rapport à celui qu'on vit, mais ça reste quand même pas la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'était un peu ça qui était intéressant. Et puis vous allez voir, il y a un petit peu de paroles et tout. Vous allez voir, c'est trop cool. Ah, I am so happy de regarder ça avec vous. Vous avez pas idée. Je vais peut-être monter un peu le son. Vous me dites si jamais c'est trop fort ou pas assez fort. Mais on va regarder ça en entier. Je suis trop contente que vous la voyez, cette vidéo. Genre vraiment. Is it the end of a world that we once knew? It's okay, David. You're not becoming crazy. Everyone is. Reality. Becoming fiction. Thank you.
Hi, David. The body is the death of the spirit. It is doomed to obliteration by the hyperreality of technological speed. In this window where we are, everything is possible. Virtuality allows us to repair the imperfection of an incomplete reality. The virtual body can become the object of the fantasy of our minds. It is then no longer its break, but its extension. We are in a window of hyperreality. I am reproducible at will. Downloadable, customizable, I exist everywhere. Et voilà! Est-ce que c'est pas trop bien, s'il vous plaît? Est-ce que ce truc va trop cool? Non? C'est beau, oui. J'aime trop, je suis très fan, je trouve que c'est un projet qui est genre méga cohérent, qui est assez juste, qui est assez créatif, qui est parfait, tu vois, en termes de timing, 5 minutes, c'est très bien, et le rythme, il est bon et tout, enfin, genre, voilà, moi j'ai trop adoré, et puis c'est. C'est rare encore, je trouve, qu'on parle vraiment du Covid de manière très explicite dans les œuvres d'art. Tu vois, on est encore un peu dedans et tout. Et peut-être qu'au fond de moi, j'avais besoin, tu vois, à un moment donné, qu'il y ait une œuvre qui me parle du Covid, de ce fucking Covid qui pourrit la vie depuis 2 ans. Je sais pas. Et puis, c'est vraiment, ouais, cette ambiguïté où c'est pas critique, c'est pas. Tu te rends bien compte que tout n'est pas merveilleux non plus. Et c'était un peu en mode, genre, bah, vas-y, en fait, fais-toi ton propre opinion. On sait pas jusqu'où on va avec ces histoires de technologie, avec ces histoires de digital, de métaverse, etc. Je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est positif, c'est juste genre, ok, ça nous fait poser des questions sur ce qu'on est en train de vivre, et je trouve ça trop bien. Je regarderai le replay. Oh, Madame Emlard, tu m'as fait trop rire d'ailleurs avec ton truc houlé là, 8 ans après. Trop drôle. Mais du coup, voilà. Je suis trop contente de vous l'avoir montré. Je sais pas, je me souviens plus, je vous ai envoyé le lien ou pas. Numérique, digital, égale les doigts, quoi. What? Et femme artiste, très drôle aussi, ta petite anecdote sur les Sims. En plus, ça me faisait grave penser aux Sims, cette vidéo. Et d'ailleurs... Autre anecdote sur Clara, parce que je pense que vous adorez mes anecdotes. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais en fait c'est pareil. Genre je n'ai jamais joué aux Sims de ma vie. Voilà, allez hop. J'ai vraiment eu une enfance, mais à mourir d'ennui, je sais pas. Je n'ai jamais joué aux Sims de ma vie. Alors que j'avais plein de potes qui y jouaient et tout, hein. Mais j'ai jamais joué. On dit numérique, pas digital. Pourquoi ? Dans quelle phrase, quelle quoi, pourquoi? Pourquoi on peut pas dire numérique? J'ai fini ma story avant-goût sur l'île. Oh, avant-goût, carrément? Pourquoi on peut pas dire digital? Bah oui. Alors que le premier Sims, juste la bande-son, quoi. Il faut que je fasse tester, c'est incroyable les Sims. Mais en fait, je trouve que ça a l'air hyper chiant. Non ? Enfin, j'ai l'impression que c'est super long. Parce que je vous dis quand même, j'avais des potes qui jouaient.
J'avais des potes qui jouaient et tout, donc des fois j'allais chez eux et on jouait à ça, mais je trouvais ça super lent, quoi. Enfin, genre, tu mets 8 ans à lui faire faire un truc, à ton Sims et tout, non? Digital se rapporte au doigt. Bah, on parle bien d'art digital. Le digital, c'est pas forcément lié au doigt. On est ensemble de ouf. Regarde, attendez, on va chercher digital définition pour voir ce qu'il nous dit. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, au fait que l'empreinte digitale, quoi. Ah ouais, qui appartient, se rapporte au doigt. Ah mais attends, du coup, on dit digital. Faut dire art numérique et pas art digital. Ben ouais, apparemment, hein. Mais c'est fou ça, pourquoi on dit art digital? Ça m'étonne! Bon, ben en gros, vous avez les. Ah, parce que c'est ça vient de l'anglais! Personne dit ça. Mais bien sûr que si, on parle d'art digital. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est pour ça en fait, c'est bon, arrêtez de faire les rageux, regardez, c'est juste que je suis anglophone, vous voyez. Je parle digital dans le sens anglais du terme. C'est à cause de l'anglais, voilà, merci Sheila, voilà. Tu interviens au bon moment, merci beaucoup. Ok, ça y est, le mystère est résolu. Tout le monde dit ça, mais tout le monde fait la faute. En fait, vous savez quoi, il faut dire art numérique... et digital art. On est d'accord? On coupe la parole en deux comme ça. On dit pas art digital, mais on dit digital art. Ah ok, trop bien. Ben, en vrai, c'est super intéressant, les gars. Moi, je savais pas du tout. Vous voyez que en français, le mot digital était forcément relié au doigt. Et que quand on parlait de numérique et qu'on disait digital, c'était lié à l'anglais. Voilà, non mais c'est très bien. Ben, je ferai attention maintenant. Promis, je ferai attention. Je dirais digital art. Non, vous avez pas gagné. Vous avez pas du tout gagné. Parce que la conclusion, ça, c'est qu'on peut dire les deux. Vous avez pas dit qu'on avait le droit de dire digital art. Et vous avez pas dit que digital, ça voulait juste dire numérique, mais en anglais. Donc vous avez pas vraiment gagné non plus. Je peux pas... Maison Solitude, je suis désolée. Je peux pas vous laisser dire ça. Je suis pas d'accord. Non, 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 non. C'est moi qui décide de toute façon. On a ouvert les consciences. Non mais après c'est vrai, voilà. Vous avez au moins permis d'ouvrir les consciences. Non mais en vrai, pour le coup je trouve que c'est super intéressant parce que pour de vrai je ne m'étais jamais posé la question. Et du coup, voilà, je trouve ça grave intéressant. Donc merci beaucoup pour ces lumières. Les gros cerveaux, merci infiniment d'avoir été là. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé d'Andrea là? Je peux avoir vos petits retours là-dessus? Vous avez aimé? Je crois que vous avez aimé, hein. Mais oui, il y a des nouveaux emotes, Sheila, bien sûr. Ça y est, ils sont là, ils sont arrivés, ils sont ready, ils sont prêts. Attends, je te les remets tellement ils sont beaux. Je te les mets tous, tu vas voir. Touk, 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 touk. Regarde-moi ces beaux emotes. Si, si, on a gagné, c'est tout, parole de créateur de Bagrid. Ouais, j'avoue qu'en tant que créateur de Bagrid, tu as le droit d'avoir un peu plus de crédibilité à... dans tes paroles. J'autorise parce que voilà, t'as créé le meilleur emote de la chaîne, donc trop bien. Ouais, franchement, cette œuvre m'a marqué et son travail m'a marqué. Et c'est pareil, genre c'est une artiste que je vais vraiment suivre sur le long terme. J'ai la rêve de la banane. Yes. Ouh, sauvé. Et tout ça là, toutes les artistes dont je vous parle, c'est des jeunes artistes. Hein, c'est vraiment, quand je vous parle d'artistes émergents, on est vraiment en plein dedans. C'est des artistes qui sortent tout juste des études ou qui encore sont un peu dedans et commencent tout juste leur parcours artistique et c'est trop intéressant. Et moi j'aime bien, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, de quand j'étais allée aux Beaux-Arts et que j'aimais bien voir tous ces jeunes artistes et un peu dire lui je sais qu'il a du potentiel, lui il a vraiment une démarche qui va être super intéressante, j'espère qu'il va bien la travailler et tout, tu vois, c'est trop bien.
du Twitch game, tu voulais dire. Ouais, j'ai dit quoi? Ah, le meilleur emote du Twitch game. Ah oui, que de la chaîne, bah bien sûr, oui. C'est clair. Ah, mais c'est le meilleur emote que personne n'ait pu inventer un jour. Bientôt, je passerai sur Twitch. Maison solitude? Bah oui, si tu veux, pourquoi? Ah, tes dessins? Enfin, tes dessins. Est-ce qu'on t'a déjà posé... Je sais pas si on t'avait déjà posé la question ou pas. Mais est-ce que toi, ce que tu fais, tu le considères comme de la calligraphie ou comme du dessin? Je me suis posé la question, moi. Ah, je fais autre chose que mes écrits. Ah bon? Bah, je savais pas, moi. Je savais pas. Tu fais quoi? Ouais, je sais pas si t'auras l'honneur de passer sur le live de Clara HRRZ, hein, franchement. Grand moment de l'art contemporain sur Twitch. Ou comme de l'art digital. Du digital art. Oh, on a fait les gros cerveaux ce soir, franchement, quoi. Installation céramique sculpture. Lourd. Trop bien, bah il faut nous envoyer des photos parce que t'as pas sur ton Insta tout ça, si? On est pas au courant, nous, hein. Moi, pour moi, Maison Solitude, c'est ça. Que déjà, j'aime beaucoup. C'est ça, Maison Solitude, pour moi. J'ai quelque chose à Paris en juin, mais non. Même s'il fait sa pub tranquillement. Bah, bien sûr, il a raison. Mais attends, on peut voir, là, peut-être, non? Moi, je vais trop aller fouiner. Ah, mais trop stylé. Mais c'est trop bien. Mais tout ça... C'est comme des ballons. Ah, j'adore. Mais c'est trop cool. Mais attends, tu vas exposer où en juin? On va tous aller voir. Je voulais que je fasse un live de l'expo de Maison Solitude. Ah ok, mais moi j'avais pas du tout capté. Espace Voltaire. Ah putain, mais... Mais c'est trop bien. Attends, moi j'aime trop en vrai tous ces trucs là. J'aime beaucoup. Ah, mais c'est trop stylé. Mais je vois où c'est Espace Voltaire. Mais attends, tu exposes là-bas grâce à Madame Emmelard? Mais c'est incroyable. On se fait toutes... Mais c'est trop bien. Attends, parce que Espace Voltaire ça a l'air vraiment cool par contre. Et je crois que j'y suis jamais allée et à chaque fois je loupe les expos là-bas. C'est une expo collective. C'est trop bien. Du coup, le de mémoire, c'est un super lieu, hein, genre vraiment, enfin, c'est... Même c'est genre super bien réputé, quoi, dans le milieu artistique. C'est un beau passage. Le maillot des Red Star 93, ben oui. Ouais, voilà. Eh ben, écoute, au moment de ton expo, on fera un point sur ton travail. Je te ferai une interview. Ça te va? Interview de Maison Solitude. C'est-à-dire que j'ai relu tes textes. Ah ouais, carrément. Putain, mais trop bien. Hein, mais d'accord. Madame Emmelard, tu es la manageuse de Maison Solitude, c'est ça? C'est le labyrinthe, ce lieu trop beau. Ah, mais arrête, trop stylé. Vraiment, j'ai trop envie d'y aller. À chaque fois, je passe à côté. Je suis nulle, franchement. Trop bien. Bah, tu nous donneras les dates. On ira et comme ça, je ferai un petit live dessus. C'est pas beau, ça? Alors, dernière artiste, are you ready? Troisième artiste de cette super exposition Beta 13, là, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Shiva. Shiva la multiple, je crois. Shiva la multiple, et c'est le post de mon tout dernier post Instagram, d'ailleurs. Et là, c'est pareil, c'est trop, enfin, c'est genre super intéressant. Surtout, moi, ce qui m'a le plus intéressé dans son travail, c'est le rapport à l'identité et aux réseaux sociaux. Et c'est trop bien parce que pour moi, enfin, un des plus grands enjeux des réseaux sociaux, c'est la question de l'identité et de l'identité de est-ce que je suis qui je suis sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis une autre personne? Et c'est ok parce que on peut avoir envie, je pense, dans la vie, d'avoir plusieurs identités et de pas être une seule et même identité pendant toute ta vie. Ou est-ce que je suis une autre identité sur les réseaux sociaux et c'est problématique parce que ça cache un mal-être, ça cache... Bref, la question d'identité sur
en lien avec les réseaux sociaux, pour moi, je trouve que c'est une question super intéressante. Genre, vraiment. Et Shivela Multiple, c'est une artiste qui, elle, travaille aussi beaucoup sur la question d'identité parce qu'elle-même change d'identité au cours de son évolution et au cours de sa vie. Donc c'est pour ça que des fois elle a, enfin dans son passé, elle a une identité qui est différente à l'identité qu'elle décrit aujourd'hui. Vraiment, mais tu vois très sérieusement, je crois même de mémoire qu'elle peut changer de nom. Donc tu vois là c'est Shivé, il a multiple, mais peut-être qu'avant c'était autre chose. Ouais, ça se clash dans le chat, j'avoue. Hein. Moi j'abandonne, hein. Je les laisse entre eux. Ils font leur private discussion à chaque fois là. Et du coup voilà, et du coup donc elle, donc il y a la notion d'identité où voilà, où elle-même elle questionne tout ce chemin et ses transformations d'identité et tout. Et pour faire tout ça, elle utilise énormément aussi son smartphone et notamment les réseaux sociaux. Et notamment les, alors moi je trouve que là où elle utilise les réseaux sociaux, c'est plus dans le langage visuel. Elle va utiliser, vous voyez, tout ce qui est capture d'écran, les emojis, les trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment une esthétique du... Au-delà d'être une esthétique du numérique, pour pas froisser mes camarades du chat, au-delà d'être une esthétique numérique, c'est vraiment une esthétique réseaux sociaux et téléphone. Donc c'est très très précis. Tu vois, Andrea, tout à l'heure, c'était une esthétique numérique, mais qui était... plus propre à l'esthétique du jeu vidéo. Là, on est vraiment dans de l'esthétique réseaux sociaux, iPhone. Enfin, téléphone, quoi. Et c'est trop cool. Et les œuvres qu'elle a présentées... les œuvres qu'elle a présentées étaient vraiment, vraiment très sympas aussi. Mais d'ailleurs, Sheila, si t'es encore là, t'as vu, c'est hyper cohérent avec le travail d'Anorel aussi, tu vois. J'aime beaucoup. Esthétique digitale. Non, ça suffit! Il faut dire digital esthétique maintenant. On va dire digital maintenant. Je dirais plus digital. Ça fait très digital. Donc pour cet artiste digital. Oui, j'adore Sublime. Trop chou. Alors, elle a fait une série sur ses réveils. Il faut que... Ah, j'adore. Oui. 11h11. 22h22. Ah, c'est trop drôle. Ah, et du coup, alors du coup, il y a aussi un côté très ésotérique dans son travail qui est aussi très, très présent. Hein. La dimension presque un peu chamanique, voyage spirituel, justement le fait peut-être aussi de construire une identité comme ça sur la spiritualité et tout ça. Hein. Heur miroir, tout à fait. Et c'est vraiment très cool, enfin... Elle est pareil, elle est tellement... Elle est très très intéressante et vous vous souvenez quand on disait est-ce qu'on peut faire de l'art avec les réseaux sociaux, tu vois? Est-ce qu'un tweet, ça peut être une œuvre d'art? Ben, là, c'est pareil. En fait, elles sont ses outils, c'est les gifs, c'est les photos, c'est les outils de son téléphone, tu vois? Et je trouve ça trop, trop cool quand les artistes s'approprient des médiums qui sont un peu... impensé pour faire de l'art, tu vois, et que c'est totalement assumé. Et elle, son matériel de travail, c'est son putain de téléphone, tu vois. Même quand elle fait des films et tout, elle filme tout avec son téléphone. Tout. Elle fait son montage sur son téléphone et elle, son outil de travail, son support artistique, c'est son téléphone. Et je trouve ça trop bien. Enfin, j'aime bien quand on sort voilà, un peu des médiums classiques qui sont déjà aussi très très bien. Mais j'aime bien parce que ça... Voilà, je trouve que c'est tellement contemporain. Enfin... J'adore. C'est énorme. Bon, après, bien évidemment, vous me connaissez aussi. Vous savez que je suis très friande de ce genre d'esthétique et de ces discours-là. Donc évidemment que je vous en parle et évidemment que ça me touche. Parce que en plus, je me sens tellement concernée par tous ces sujets, évidemment. En plus, j'en parlais, je vous enverrai le lien, parce que j'avais fait une interview pendant l'expo. J'avais fait une interview avec une radio, une petite radio locale et tout, c'était trop sympa. Et en fait, c'était drôle parce que toutes les artistes de l'expo quasiment étaient là. Et chacune leur tour, elles présentaient leur travail. Et moi, je passais en dernier. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais ce qu'elles racontaient sur leur travail, j'étais là...
Mais en fait, son travail, il fait écho à ma vie perso et à ma vie pro. Et à chaque fois, c'était ça, et pour des raisons différentes, tu vois. Du coup, j'expliquais que, tu vois, Andrea avec Covid David, pour moi, ça me fait hyper écho dans le sens où elle expliquait que en plus, elle a commencé à travailler cette forme un peu numérique du jeu vidéo et tout de manière très autodidacte. C'est elle qui a tout fait, elle a tout appris toute seule et tout. Et du coup, j'étais un peu en mode genre, ben moi, c'est un peu pareil, tu vois, avec le montage vidéo. Enfin, il y a un truc qui est très autodidacte dans tout mon travail. L'aspect Covid aussi qui, moi, m'a poussée à me mettre sur les réseaux sociaux. Donc forcément, si on est sur le Covid, ça me touche, tu vois. Naya, j'étais là genre en mode, mais le symbole de la clé, tu vois, j'étais là, c'est ouf. Parce que moi, je parle tout le temps aussi, genre, des clés. Enfin, pour moi, le symbole de la clé, il est genre trop fort. Et à chaque fois que je dis que j'ai envie de transmettre, enfin, de donner des clés, pour que les gens, ensuite, soient libres d'ouvrir la porte ou pas, tu vois. Et du coup, je trouvais ça ouf, hein, le rapport à la clé. Et Chivé, avec la question d'identité, comme je vous disais, pour moi, la question d'identité sur les réseaux sociaux, elle est tellement importante que du coup, ça me parle de fou parce que même moi, j'ai expliqué que bah, j'étais pas la même personne. Déjà, je suis pas la même personne sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch. J'ai l'impression que je suis pas tout le temps la même identité et je suis encore moins la même personne quand je suis toute seule sans mes réseaux et je suis encore moins la même personne quand je gère le community management d'institution, par exemple. Donc la question d'identité, moi j'ai l'impression que je switch souvent d'identité aussi en fonction de tout ça. Et enfin bref, voilà, c'était trop bien pour ça, cette expo. Vraiment, je me suis genre grave sentie concernée par ces artistes et par leur démarche, tu vois. Et c'est trop plaisant. Les heures miroirs, t'as vu ça chez un autre artiste au frac Pays de la Loire, trop stylé. Bah, j'ai rarement vu ça, moi. C'est marrant, ce concept de heure miroir. Et tu vois, elle disait aussi, c'était intéressant, vraiment, c'était trop intéressant. Elle expliquait, Chivé, que, en gros, elle faisait jamais de voyage pour du tourisme. Si elle partait à l'étranger, si elle partait faire du voyage, c'est parce qu'elle partait créer. Donc, c'était dans le cadre d'une résidence artistique. Et pour elle, c'était quand même très important de... Elle adore voyager, mais voyager pas en mode tourisme. Et enfin bref, il y a une réflexion qui était quand même, moi j'ai trouvé chez Chivé, qui était assez profonde et assez pointue en fait, et qui était vachement dans les questionnements et tout. Allez, une story et Chivé, je suis bientôt sur toutes les scènes ouvertes pour faire du stand-up. Pas compris, putain, des fois je vous comprends pas, hein. Alors je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée ou si c'est vous qui vous exprimez pas mal, mais c'est trop cool cette esthétique. Voilà, moi je suis très très fan et j'ai énormément aimé son travail, et encore une fois je vous invite à aller la suivre et tout, mais c'était trop cool, quoi. Voilà les petits potes. Voilà pour ces trois artistes là que je voulais vraiment, et vous arrivez à capter du coup un peu le lien qu'il y a entre du coup, entre les trois, enfin, vous trouvez ça aussi assez cohérent, non? Mais en plus, des gens tellement gentils, genre, tellement intéressants, et c'est vraiment une trop belle rencontre. Et du coup, voilà, c'était la meilleure occasion pour vous parler de cette expo à travers ces trois artistes-là. Et vraiment... Et en plus, c'est marrant parce que c'est rare, tu vois, dans des petites villes comme ça, comme Biarritz et tout. Enfin, ils n'ont pas vraiment de lieu d'art destiné vraiment à la jeune création et tout. Donc, c'est trop bien qu'ils mettent en avant des jeunes artistes comme ça, et des artistes avec beaucoup de talent et avec des démarches genre super intéressantes, quoi. Voilà. Ah, je suis trop contente de vous avoir parlé de ces artistes et d'avoir pu vous montrer la vidéo aussi de Covid David, là. David Covid, je sais pas comment on dit. Trop content, moi je l'ai trop aimé celle-là. C'était où? Alors c'était à Biarritz. C'était à Biarritz dans un centre d'art qui s'appelle Encore. Encore le lieu. Voilà. Je vais vous mettre le lien de l'Insta de Chivé. Et bref. Voilà. Mais non, mais c'était vrai, c'était vraiment, ouais, c'était une belle expérience. Et le thème, en plus, c'est pour ça que je disais à Margot qui m'avait invité, j'étais là, mais c'est trop bien parce que, ouais, comme je vous disais, le thème est tellement, enfin, résonne tellement en moi que ça pouvait pas être mieux, enfin. En plus, ça va parce que même s'il y avait
que des... quasiment que des meufs qui étaient exposées. Il n'y avait pas non plus trop ce discours non plus trop féministe. Enfin, il était assez ambigu et du coup, c'était bien aussi d'avoir beaucoup de femmes dans une expo sans que ce soit forcément mis en avant. Je sais pas comment vous dire, mais... c'était pas « Ah, on vous présente une exposition féministe ». Non, genre, c'est pas le sujet de l'exposition. On est très fiers d'avoir beaucoup de femmes parce que c'est aussi une volonté, mais c'était un peu en mode genre c'est normal, ça fait pas partie du discours, tu vois. Et même ça, je trouvais ça cool. Parce que c'était pas en mode si on réunit plusieurs femmes artistes au même endroit, c'est forcément pour parler de féminisme. Du coup, je trouvais ça bien que limite ça soit un peu presque normalisé, quoi. Mais du coup, voilà pour cette petite intervention du dimanche soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ces artistes. Je sais pas si vous en avez préféré une. Moi, j'arriverai pas à vous dire... Je saurais pas choisir. Je sais pas si vous avez été marqué par plus une artiste ou une œuvre que d'autres. Mais voilà. Puis c'est des meufs genre super jeunes, enfin genre je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge quoi. On adore quand ça coule juste de source d'exposer des femmes, c'est exactement ça. T'as pas le truc de devoir te justifier derrière ou de devoir coller l'étiquette féministe, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu fais une expo avec beaucoup de femmes, mais c'est juste naturellement, juste bah c'est des artistes qu'on a choisis et il se trouvait que c'était des femmes. Bah voilà, c'est tout, y a pas besoin de tu vois, d'avoir l'étendard féministe, forcément, même si elles le sont peut-être chacune à leur manière et que chez certaines, c'est plus présent dans certains discours. Mais là, c'était vraiment pas l'étiquette de l'expo. Et du coup, ça faisait trop plaisir, ouais. Enfin, du coup, je trouve que ça décomplexe le truc, tu vois. C'est moins... t'as moins la pression de dire « Ah, il faut vraiment que je souligne le côté féministe, que la femme en tant qu'artiste, elle doit se dire « Je dois mener un combat féministe parce que je suis une femme et tout. » tu vois. Du coup, bref, hein, c'était trop bien. C'était trop bien, et puis Biarritz, c'était cool, voilà. J'ai découvert Biarritz. Écoutez, on en profite. En tant que féministe ancrée dans l'art, en fait, c'est tout ce qu'on demande, que ça devienne juste normal. Exactement. Mais franchement, je comprends, parce que... Puis ouais, comme je te dis, ça fait moins... combat aussi, tu vois. Le jour où ça devient plus un combat, quel soulagement, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, bah, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Et qu'attention, ce petit live spécial art contemporain, sorcellerie, identité, réseaux sociaux. 61. Plus un. Plaisir partagé. Trop bien. Je vais vous mettre un petit cœur. Poum, poum, poum. Parce que beaucoup d'amour. Non mais trop cool les gars, trop cool. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, c'est trop gentil. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que... ou peut-être un truc qui n'a rien à voir avec l'art et un truc que... Bon, n'hésitez pas, hein. C'est le moment, ce moment vous est dédié, donc vraiment faites-vous plaisir. Il est trop beau ce cœur, je suis trop fan. Trop beau. On adore. Des bisous, Madame Emlard. Bon, bah, remets-toi bien de ton week-end lillois et j'ai trop hâte de suivre le contenu que tu vas faire sur Utopia. J'ai vraiment trop hâte. Je pense que ça va être cool. Une remarque, on ne dit pas de l'art digital, mais de l'art numérique. Ah, bah, c'est super, ça, les goupèmes. Je savais pas. Bah, je savais pas. Mais écoute, trop bien. Merci du coup pour l'info. Moi, j'ai une petite reco, c'est Flipper sur YouTube de Théo Grosjean. C'est quoi? Pas le time de m'en remettre. Ah. Comment tu fais pour être si incroyable? Qui donc? Je vais faire des TikTok pour Maison sur YouTube. Mais non. Mais non. Je ne veux pas y croire une seule seconde. Maison sur YouTube sur TikTok. Pétition tout de suite. Ça se sauce dans le chat, là. Incroyable. Vous êtes tous des gens incroyables.
Jamais je m'habille sur TikTok. Mais bien sûr que si, Maison Solitude, mais on va tellement en rigoler quand tu seras sur TikTok et que tu feras 10 000 vues là. Ah, tu vas faire des TikTok de Lille. Mais oui, j'espère bien que tu vas faire des TikTok de Lille, de fou. Vous êtes trop choupis, vous êtes tous trop gentils en vrai. Mais oui, parce que. Eh, Madame Emelard, en plus, je pense que ça va bien prendre. T'as fait des bonnes vues sur les derniers, non? Dans les TikTok. MS, oui, je suis aux Maisons Solitude. On se voit mercredi. Mercredi, nous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On se voit mercredi, c'est vrai, il y a ça. Il y a le petit déj influenceur. Femme artiste, la semaine de fou malade qui nous attend là. JPP déjà. JPP de cette semaine. Bon, bah écoutez, je vous souhaite alors à tous une très bonne semaine également. Moi, ça va être un gros bordel cette semaine. Mais c'est pas grave. Ça, c'est bien. C'est que des trucs cool, donc c'est le principal. Et puis voilà. À dimanche prochain, pour sûr. Mercredi, je suis pas sûre non, du tout. Mais mercredi pro dimanche prochain, sûr. Sûr. Je suis pas prête, putain, moi non plus. Moi non plus. Survivons à cette semaine, exactement. Le 19, son anniversaire, mais non! C'est vrai, Madame Emelard, mais c'est trop bien. Mais incroyable. Putain, je vais le noter direct. On fait un truc? Jeudi soir. Ah oui, le 20. Ah putain, je me disais bien qu'il y avait un truc là. Vers le 20-21, mon agenda était un peu vide. J'étais là, mais attends, il y a bien un truc. Ok, ça roule. Ça... Rappelle-le nous, Madame Emelard. Tu nous rediras mercredi parce que. Tout le monde sait que c'est son anniv. Bah non, je savais pas moi. Jeudi soir, pas dispo. En juin, je fais un truc avec vous. Trop cool. Ça marche. Écoute, on sera là avec plaisir pour fêter l'anniversaire. Trop bien. Bon, bah écoutez, passez une bonne nuit, passez une très très bonne semaine. Bon courage, les gars, vraiment. Et merci beaucoup d'être là. Vous êtes trop des amours. Et je suis trop contente d'avoir vraiment, pour de vrai, genre, d'avoir pu vous montrer ces artistes. Ça m'a fait trop plaisir. C'était trop important pour moi. Donc, je suis très très contente de l'avoir fait. Cœur, cœur. À mercredi, Madame Emelard. Je vous mets plein de cœurs qui saignent. Voilà. Pour spammer un peu. Bisous, bisous. Des bisous et puis bonne nuit, bon courage et à dimanche prochain. Thank you.